Les jaunes bleus de Santos ont eu gain des courses devant la CK Mikaze, 3 buts à 0. Santos FC a ouvert la marque par l'entremise de Kambola Mukenda dans le quart d'heure de la première partie. Ce score d'un but à 0 permet à Santos FC d'aller avec l'avantage dans les vestiaires. Au retour de la pause, Chivungila lance une passe en profondeur qui trouve Mané Namungoy pour le break. Révolution Fabregas, Fabregas révolution, révolution Fabregas, Fabregas révolution. Ça va chauffer, Omar Salso, Genou Azou, ça réussit toujours. Adjara que Dieu te bénisse. Ça va chauffer, yeah, pour libérer. Giovanni Sepekeno et Megan Camara. Samuel est office. À une minute du temps réglementaire, Chivungila Kalenga enfonce l'AC Kamikaze dans les KO pour les troisième buts. 3 buts à rien, les rouges fléchissent. Merci beaucoup. Il y a pratiquement une semaine qu'on avait joué, donc on a eu toute une semaine pour travailler à l'entraînement. Donc on s'est préparé en conséquence. On savait bien que c'est une grande équipe, c'est une équipe aussi expérimentée. On a préparé, on a mis toutes les machines en jeu. En deuxième explication, Ouragan FC a eu 3 points sans peine au JTF. L'adversaire d'Ouragan FC a brillé par l'absence. Dès les vestiaires de verre, on pouvait écouter les cris des joueurs exprimés par l'équipe conviée par le trio arbitral qui lance les chronos comme l'exige la loi. Les constats et faits, l'OJTF écope les forfaits. Selon les comités de l'OJTF, la date prévue était le 15 mars et non le 14. Donc, c'est un dossier à suivre.